Ça t'arrive de rêver de Mélenchon? Non, j'ai jamais rêvé de Mélenchon. Ah, ce serait trop drôle. Mais je me réveille souvent avec des sensations et tout. Et je me réveille souvent avec la sensation d'avoir perdu ma carte électorale. Je pense, dans ma vie réelle, je trouve ça marrant de perdre ma carte électorale, je me dirais que c'est le destin. Directrice de recherche au CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po. Avec Internet, des jeunes de tous les pays d'Europe ont été interrogés sur leur vision de la politique, de leur avenir, sur de leurs études, sur leur vie. Ils sont pessimistes vis-à-vis de l'avenir, de leur avenir. Ils ne font pas confiance à la politique, les institutions, les médias. Ça, c'est clair. Même 99% disent que les politiques sont corrompues. Donc on voit bien qu'il y a là une image extrêmement négative à l'endroit des politiques. Ils sont porteurs, finalement, de cette intériorisation qu'ils sont les enfants de la crise, une génération sacrifiée. Mon placement? J'ai été placée au début à 14 ans, ça a duré 2 semaines. Et après, je suis retournée chez ma mère. J'ai jonglé entre ma mère, mon père et ma sœur. Et ensuite, j'ai été placée en semi-autonomie pendant 6 mois. Ça va durer le temps que je trouve un travail, que je me pose, en fait. Ça me permet de rentrer dans la vie active. Tu apprends comment cette année une possibilité de voter? T'as envie de voter? Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je commence à me concentrer sur les débats parce que j'ai vu que ça passe à la télé. Parce que j'ai pas vu Mélenchon dans la primaire. Ça m'a inquiété. Parce que moi j'étais sûre de le voter pour lui, quoi. Pour moi c'est pas un choix bidon, quoi. C'est pas quelque chose que tu dois faire sur un coup de tête. Oui, je vais voter, oui. Tu sais pas qui voter, arriver dans le truc, c'est pas possible. Non, je pense vraiment qu'il faut qu'on ait notre propre avis, en fait. Et il faut pas écouter les gens qui disent vote ça, vote ci. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui critiquent Marine Le Pen, et voilà, jamais je... En écoutant les gens, toute ma vie, jamais j'aurais cru dire je vais m'intéresser à Marine Le Pen. Jamais. Et pourtant, si. Et pourtant, quand mon éducateur, il m'a dit ça... Non, c'est mon formateur. Il m'a dit quelques propos qu'elle a dit. Et là, j'ai dit, moi, je marche dedans, moi. Moi, je suis d'accord avec elle. Mais après, voilà, je pense aussi que les gens qui se présentent comme ça, c'est aussi des gens, ils savent ce que les gens veulent. Et je pense que, voilà, ils incitent les gens à voter pour eux en disant des choses que les gens souhaitent. Et je pense qu'au final, ce que tu veux, tu l'auras pas. Et ils vont faire ce qu'ils veulent, eux, quand ils auront ta voix. Il y a un petit chien qui court. Lui, il s'en fout du vote. Je pense que le vote, ici, dans ce quartier, il n'est pas primordial. Vraiment pas. Je pense que le quotidien des gens laisse peu de place à la réflexion. Ils se posent pas trop la question et ils doivent avoir peur de certains candidats. Genre, ils doivent avoir peur de Le Pen et de Fignon. Peut-être qu'il y a aussi une partie de la population ici qui se réfugie dans ce vote-là, parce que, ouais,
Des fois, je me dis qu'entre un Fillon, qui est ultra-libéral lui aussi, carrément totalitaire, et une Le Pen qui est détestée et qui va amener des mouvements de révolte énormes, alors qu'un Fillon, c'est la droite bourgeoise et dégueulasse, et ben, je me dis que ce serait peut-être mieux si Marine Le Pen, elle débarquait au pouvoir, quoi. Genre, Fillon, il me fait tellement flipper. Donc s'il y avait les deux, bah, je voterais quand même pas, hein, mais... Hey mec, débride-toi, utilise ta voix et ose péter les bases, dénouer les nœuds, changer les choses. Les idées naissent dans les bouquins et finissent sur le bitume. Voilà un truc concret, dans cet horizon de brume. Faut prendre le pas sur la frayeur et tout se réapproprier. Prendre le beurre, l'argent du beurre et faire un feu pour le cramer. On rejoint les camarades avec cette belle idée dans l'âme. Se méfiant, toujours prudent de pas merder comme en Espagne. Y'a tellement plus à faire qu'un futur parti. Restons tête pensante et bâtisseurs de ces nuits. Indépendants jusqu'à la moelle, égalitaire dans le game. Représentation libertaire du champ des possibilités. Voilà la liberté qui frappe et qui sème ses graines de rébellion et de sagesse et nantes révoltées. C'est quoi la plus grande violence institutionnelle que t'es ou étatique que t'as jamais ressentie? En manif, quand quand on a vraiment peur de se faire arracher un membre par la police et qu'on se demande si est-ce qu'aujourd'hui on a envie d'y aller, parce que est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à perdre un œil. Et moi, c'est une question que je me posais régulièrement avant d'y aller. Mais il y a des gens qui vivent ça tous les jours dans les quartiers, hein. Nous c'est seulement quand on va en manif. À l'école, quand par rapport à tout le vocabulaire qui est employé en fait sur les copies, sur ce qu'on étudie, qui de fait exclut beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ça, je trouve que c'est violent. Et quand j'ai été interdite de manif, ça, j'avais l'impression vraiment que c'était d'une grande violence, surtout que ça m'a obligée à rester cloîtrée chez moi. Considérant que ces manifestations contre le projet de loi Nouvelle Liberté et Nouvelle Protection pour les entreprises et les actifs, c'est le vrai nom de la loi travail, ont donné lieu à des violences à l'encontre des forces de l'ordre et des dégradations importantes de biens publics et privés. Considérant que Sarah a notamment été placée en garde à vue à telle date pour participation à attroupement avec armes et qu'à l'issue de sa garde à vue, elle a été déférée au procureur de la République, qu'il y a lieu de penser que Sarah envisage de participer aux manifestations à venir dans le centre-ville de la commune de Nantes pour y prendre part à des actions revendicatives violentes de nature à constituer un trouble grave à l'ordre public et à entraver l'action des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on m'interdit de manif parce qu'il y a éventuellement peut-être un risque que je puisse participer à des manifestations, ce qui est quand même très grave. Et ça continue là. Voilà, la violation de cette interdiction est punie de 6 mois de prison et de 7 500 € d'amende. Gros bisous, le préfet. C'est l'imaginaire. Imaginaire, ouais. Par exemple, je peux dire que je peux devenir le prochain président de la France, alors que c'est pas vrai, c'est une utopie. C'est sûr. Il faut être plus optimiste que ça. Ouais. Donc le but, ce sera de pouvoir imaginer le fonctionnement global de cette île-là. Vous devrez pouvoir gérer la population, le pouvoir, l'éducation, ce qui est légal, ce qui ne l'est pas. Voilà, on est obligé de faire ça. On ne peut pas se refaire une île où c'est que des gens autonomes qui veulent juste vivre normalement et sans Dieu ni maître ni personne. Mais après, il y a des conséquences aussi, non? C'est quoi les conséquences? Ben, mais pourquoi t'as fait du commerce? Tu peux faire tes élevages tout seul et te nourrir tout seul. Tu fais un élevage pour ton île. Tu sais, c'est une communauté, c'est comme les sectes. Ouais, voilà, ça va être juste une secte, c'est un peu chelou, ce truc. Je sais pas. Non, c'est mieux de se rapprocher du monde. Eh, mais pourquoi tu veux de l'argent? Si on fait une île sans argent, ce sera mieux. Pourquoi on fait pas le plus simple? Pourquoi on se complique la vie tout le temps, en fait?
Mais une école pourquoi on aurait besoin d'ingénieurs? Ah, moi, c'est une parce qu'on aurait fait une démocratie, besoin, parce qu'on aurait fait des bâtiments, parce qu'on aurait créé des métiers. Ouais. Mais bah si voilà, on ne crée pas de métiers, si on a chacun notre terrain, notre petit terrain, hop, tu fais tes gosses sur ton terrain, tu nourris, tu t'occupes de toi-même. Elle a le choix, elle veut le faire, parce que sinon tu peux être caissière. Il y a des métiers où tu vas vider les poulets. Mais ils ne trouvent pas comment elle va faire. Mais comment tu fais? C'est quoi? J'ai ma famille, elle est arrivée ici en une semaine, elle travaillait, elles avaient un appartement, ils étaient 5, ils travaillaient tous. Mais c'est une question de chance, ils ont eu de la chance. Allez, arrête de te foutre de la vie. Ils ont eu de la chance quand même. C'est partout pareil. Sur le marché, tu te présentes sur le marché à 4h du matin, tu aides à décharger les camions. T'as rien, t'as que dalle, ils vont te donner quoi, ils vont aller te donner 50€ pour la matinée. Mais t'es bien content de les avoir, ces 50€. Et tu peux pas dire que t'as pas le choix, t'as toujours le choix. Ma mère, elle me l'a toujours dit. Ouais, moi je pense qu'il y a beaucoup de formes de société à expérimenter, beaucoup plus libres, qui reposent sur des choses plus justes, sur une égale distribution des richesses. Je pense largement que c'est possible en fait, parce que entre nous, encore une fois, on se débrouille très bien pour faire ça. C'est... Et oui, je pense que complètement, hein, je pense qu'il est complètement corrompu le système actuel. C'est. J'ai l'impression que déjà, démocratie représentative, déjà, moi, ça j'aime pas le fait d'être représenté, parce que je trouve que c'est un mot qui est hyper fort, c'est un mot qui est très beau d'être représenté, parce que ça peut à la fois être lié à l'art. La représentation, à l'image, dans les tableaux, le dessin et tout. Et ça te révèle, en fait, la représentation. Et là, quand on est représenté, quand on voit l'Assemblée nationale ou quoi, mais même la primaire, là, la primaire de la gauche, mais putain, genre, d'où t'es représenté, quoi, enfin... Bonsoir et bienvenue à tous dans ce premier débat de la primaire gauche organisé par TF1, RTL et L'Obs. Pendant un peu plus de 2 heures, ces 7 candidats répondront aux questions que nous leur poserons et que vous leur adresserez. Imaginons la nouvelle France et la nouvelle Europe et avançons ensemble vers ce qui nous est le plus cher. C'était loin de dire 10 heures américaines. Français qui viendront voter à cette semaine pour donner du poids à l'idéologie dans le projet présidentiel de la gauche. Nous prendrons en main notre destinée ensemble. Mon projet n'est pas un projet de gestion résignée. C'est un projet de transformation concrète et profonde du système économique et financier, politique et européen pour reprendre en main notre destin et peser sur nos vies. L'entreprise se réforme en luttant contre la précarité, je l'ai évoqué tout à l'heure, en incitant au recrutement en CDI. Mais il faut aussi que lorsque une entreprise traverse une période difficile, on puisse faire en sorte que, en contrepartie des efforts que l'on demande aux salariés. Donc oui, il y a des dispositions dans la loi El Khomri qui facilitent le licenciement et qui vont fragiliser les salariés au moment où ils cherchent à préserver leur emploi. C'est une des raisons pour lesquelles je veux abroger cette loi, comme le fait qu'aujourd'hui, on facilite toute la loi. Abroger, ça veut dire on facilite enlever le retour à des heures supplémentaires moins bien polémiquées sur ces questions-là parce que c'est trop important. Et quand on se prépare à être chef de l'État, c'est-à-dire chef de l'armée, quand on veut qu'en plus la défense atteigne 2% du produit intérieur brut, quand on dit la vérité aux Français, je fais tout le temps mes fautes. De voir comment l'ensemble quasiment des dirigeants du monde sont venus aider la France, soutenir la France. On a remusclé l'appareil de lutte contre le terrorisme, policier et judiciaire. Il reste beaucoup de choses à faire. 14 000 personnes doivent être surveillées aujourd'hui en permanence. Nous n'avons que 4 000 agents sur le terrain. Donc nous avons baissé la garde et nous le devons malheureusement à l'héritage du président Sarkozy qui a supprimé les... renseignements de proximité, la police de proximité. Ça, nous le devons à l'héritage du président Sarkozy dans une primaire de gauche, c'est chaud quand même. Il a dit spécifiquement l'inverse. Il ne supprimait pas la France. Mais pourquoi ils ont envie de rentrer en guerre ? On propose de 500 000. Parce que c'est pas eux qui sont butés. Quand on propose, Jean-Marc Ayrault aussi au début, des moyens à la police et à la gendarmerie. Dans notre monde. Il faut aussi continuer d'augmenter nos budgets militaires. Mais il faut se donner les vrais moyens. Et nous ne pouvons le faire que dans le cadre de l'Europe, la coopération et le financement.
Je pense que je voterai blanc. Mmh. Je veux pas. Je veux dire, à la limite, Mélenchon-Le Pen, bah, là, du coup, je vote Mélenchon, ça me fera marrer. Je pense que ça me fera marrer. Je pense que là, je voterai Mélenchon. Mais je sais pas encore. J'ai envie de dessiner, en fait, dans les mid-term vote. Voilà. J'ai pas envie. Je m'en fous. J'ai pas envie qu'ils... J'ai rien à leur dire, quoi. Il y a des... Enfin, là, en ce moment... Ouais, enfin, je suis hésitante, mais j'ai... Je crois que j'ai rien à leur dire, quoi, genre... Là, la question qu'ils me posent, elle a pas de question... Elle a pas de réponse, enfin... C'est pas mes questions, quoi. Tu saurais dire ce qui a survécu à ici ? L'envie de construire des choses. Et je pense qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup de confiance en eux dans ce lieu. Parce qu'on a fait des belles choses, entre autres avec les voisins, et que ça réussissait. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde où, je trouve, qu'on nous rabâche sans cesse qu'on n'est pas capable et... Et c'est assez fatigant. Et non, ça, c'est une des choses vraiment positives qui est ressortie de là. Parmi les 6 personnes qui habitaient là, il y a un squat, 2 squats, 3 squats qui vont s'ouvrir. Donc, ils ferment un lieu et il y a 3 nouveaux lieux qui apparaissent. Donc non, c'est vraiment une réussite. Et j'espère que ça va se multiplier comme ça, parce que bien organisé, c'est des lieux où on peut faire beaucoup de choses avec les gens et où on peut réapprendre à vivre ensemble. Et je trouve que c'est important. On n'est pas éduqué à avoir des projets et à se faire confiance pour aller au bout des choses, quoi. On est éduqué en tant que travailleur, futur travailleur. Et c'est vrai que bon, l'esprit d'initiative et la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'extrêmement important pour quelqu'un qui va aller travailler à l'usine, pour quelqu'un qui... Enfin voilà, pour tous ces boulots auxquels on est déjà prédestiné, quoi. Et non, on nous apprend pas ça. Et je pense que ça manque à beaucoup de gens. Mais c'est vrai que je trouve ça aussi un peu... je trouve que c'est abandonner la politique, en fait, que d'aller voter. C'est dire oui, je suis d'accord pour me décharger de ce pouvoir-là et je vous le donne, faites-en ce que vous voulez. Et c'est vrai que je préférerais que ce soit les gens directement qui agissent politiquement à leur niveau. Et si tout le monde le fait, ça devrait aller bien. C'est compliqué, la politique. Ouais. Moi, je dis qu'il faudrait vivre comme des sauvages. On serait plus heureux. Je pense à ça tout à l'heure quand tu parlais avec tes bonnets. La semaine dernière, quand tu parlais de tes bonnets. Tu disais, pas de shopping, non ? C'est la semaine dernière, tu parlais de tes bonnets à 80. Non, mais justement, en fait, quand tu vis comme un sauvage, tout le monde est sauvage, donc ouais. T'as pas de mode. T'as pas de ? T'as pas de mode. Ouais, puis t'as pas de manque. T'as rien. T'as rien, du coup, tu peux pas te prendre la tête et te dire. Parce qu'en fait, si j'achète mes bonnets et que je dépense autant d'argent dans les vêtements, c'est parce qu'il faut toujours pas être à la mode, mais bon, faut toujours être là, et ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui te plaît le plus. Mmh. Alors que quand t'as rien du tout et t'as le strict minimum, comment tu veux acheter d'autres choses? Ça sert à rien. Parce que la personne à côté, elle habille comme toi. C'est pour ça que dans certaines écoles, ils mettent des habits pareils pour tout le monde, parce que comme ça, il n'y a pas de différence. Et du coup, tu te prends plus la tête avec le coiffeur, tu te prends plus la tête avec les UV, les ongles, nanana. T'as plus besoin d'être à la hauteur. Mmh. C'est beaucoup plus facile. Ouais. Ça, les gens ne comprennent pas. Mais après, ça dépend comment tu penses. Moi, je sais que dans ma tête, toute ma vie, il faut que je sois à la hauteur. Donc, c'est horrible.
de la société. C'est bien parce que je te l'ai déjà dit, mais ta façon des fois de parler des choses, je trouve que t'es une. T'en parles très bien quoi. T'as conscience des choses, c'est une de tes qualités chez toi. T'as conscience des choses. Tu sais, t'as des gens qui s'habillent avec des fringues qui vont coûter les yeux de la tête. Et ils pourront pas te dire pourquoi. Oui, voilà. Moi je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils veulent faire comme tout le monde. Voilà, c'est tout. Là, j'ai pas mis les coups. C'est des gars, ouais. Arrête de crier, tout les cris. Ouais. Dis, mais tiens espoir, là. Javi, que no tengo nada, joder. Si, que puedo llorar, mais. Quiero llorar. Ah, il ne laisse pas revenir sur votre dossier. Vous avez signalé qu'il y avait un souci sur votre adresse déjà ? Ben non, justement, je suis assis pour ça. Parce que sur pourquoi courrier, je peux pas accéder à votre dossier du coup ? C'était marqué comme quoi s'il y avait un problème, fallait que j'aille à la mairie annexe ou une mairie. En fait, votre journée d'appel, vous l'avez faite quand ? L'année dernière. L'année dernière ? Je pense. En juillet ? Ouais, quelque chose comme ça. Ah, c'est pour ça du coup que je peux pas accéder à votre dossier. Parce que comme il n'y a qu'une seule mise à jour et qu'elle est en mars, vous vous êtes inscrit juste après. Donc du coup, vous êtes encore temporairement inscrite sur les listes. Et du coup, je ne peux pas revenir personnellement sur l'inscription. Mais du coup, je vais vous envoyer à mes collègues directement au niveau électoral. Et ils vont pouvoir le faire manuellement. Parce que là, il accepte rien du tout. Je ne peux rien faire. Je pense que c'est une dernière fois, mais... Ah! Ben voilà, on y est. Parce que quand je vote, comment ça se passe? Du coup, je suis assis. Oui, je viens ici. Non, en fait, vous allez voter dans l'école de rattachement la plus proche de chez vous. C'est l'école primaire Charles-Lebourg. Ça va être inscrit sur le récépissé que je vais vous donner. Et vous avez un bureau de vote dans lequel vous y allez. Donc, votre carte électorale, carte d'identité ou les deux, c'est au choix. Et à ce moment-là, vous allez voter. Rouge des passions et des désillusions. Enfin, j'exprime un sentiment un peu général quand on a cru en quelqu'un, que ce soit un candidat à la présidence ou un amour, et que on se sent. Elle était trop perdue. C'était vachement triste. Ouais. C'est horrible comme mode de vie. Tu te dis. Merde, j'ai pas trouvé de boulot ce mois-ci, je vais pas réussir à bouffer, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça, bah, ça nous bouffe tellement. Hein. C'est trop nul. Et du coup, de voir qu'il y a des gens qui vivent différemment, et qui est. Où ça marche, où c'est beau, bah, où c'est chouette. Où c'est, et ça donne envie de faire pareil. Quoi. C'est trop bien. Du coup, Un peu ce qui a été fait, je donne l'exemple de Nuit Debout, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais de libérer des espaces comme ça où les gens. Peuvent éventuellement réussir à trouver les moments pour discuter de ça avec avec des gens qui se retrouvent sur certaines idées. Ça peut ça peut être très intéressant. Bah, si la journée féministe sur la fac se fait par exemple, ça va être une journée qui va être vraiment intéressante parce que je pense qu'il y a plein d'étudiantes qui vont venir qui puis informer les gens, enfin voilà, partager les infos qu'on a, les idées qu'on a aussi avec les gens, c'est super cool à faire aussi.
Oui, quand j'avais fait la formation à l'éducation populaire avec le CMEA, c'était, moi, ça m'a donné l'idée de plein de choses, d'organiser des petits débats sur 2-3 heures le soir, là où les gens peuvent venir après le boulot. Et ça, c'est des choses intéressantes auxquelles je réfléchis. Et je pense qu'on y réfléchit tout le temps. Oui, bah oui. Mais de toute façon, ça passe pas que par l'émeute et tout ça. Enfin, faut aussi qu'il y ait quelque chose d'autre derrière, qu'on puisse communiquer entre nous et avec d'autres gens et informer les gens autour, s'informer nous-mêmes déjà de base. Parce que c'est quand même vachement pratique d'être informé quand tu fais une émeute. Mais faut que les deux soient ensemble. On peut pas juste vouloir retourner la ville et vouloir retourner le système sans discuter avec les gens et sans discuter entre nous. C'est pas possible. Fin... Thank you.